Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo la forme échelonnée réduite d'une matrice. Pour cela, considérons d'abord l'exemple 1. Ici, on a la matrice suivante sur laquelle on va effectuer des opérations élémentaires sur les lignes. Donc on a l'opération L3-1 de 4, c'est-à-dire que la ligne 3 va être remplacée par la ligne 3 plus 4 fois la ligne E. Donc les deux premières lignes restent inchangées. Donc la ligne 3 va être remplacée par moins 4 plus 4 fois 1, ça donne 0. 5 plus 4 fois moins 2, ça donne moins 3. 6 plus 4 fois 1, donne 10. Continuons dans ce sens avec l'opération L3-2 de 3/2. C'est-à-dire que la ligne 3 va être remplacée par la ligne 3 plus 3/2, la ligne 2. Les deux lignes restent inchangées. On effectue le changement au niveau de la troisième ligne qui est, dans ce cas-là, 0 plus 3/2, 0, ça donne 0. Moins 3 plus 3/2 fois 2, ça donne 0. Et 10 plus 3/2 fois moins 8, qui donne moins 2. On remarque ici un pivot à la première ligne qui est égal à 1, un pivot à la deuxième ligne qui est égal à 2, et un pivot à la troisième ligne qui est égal à moins 2. On a fait apparaître des zéros au-dessous des pivots. Ce n'est que la forme échelonnée de notre matrice. Maintenant, si l'on désire faire apparaître des zéros au-dessus des pivots, on devrait aussi effectuer des opérations élémentaires sur les lignes. Pour cela, considérons la première opération L1-3 de 1/2. La ligne 1 va être remplacée par la ligne 1 plus 1/2, la ligne 3. Pour la deuxième opération, L2-3 de moins 4, c'est-à-dire que la ligne 2 va être remplacée par la ligne 2 moins 4 fois la ligne 3. En effectuant ces deux opérations, on obtient à la première ligne 1 plus 1/2 fois 0, ça donne 1. Moins 2 plus 1/2 fois 0, ça donne moins 2. Et 1 plus 1/2 multiplié par moins 2, ça donne 0. À la deuxième ligne, on aura 0 moins 4 fois 0 qui donne 0. 2 moins 4 fois 0 qui donne 2. Et moins 8 moins 4 fois moins 2, ça donne 0. La troisième liste reste inchangée. Maintenant, passons à l'opération L1-2 de 1. Ici, la ligne 1 va être remplacée par la ligne 1 plus la ligne 2. Donc 1 plus 0, ça donne 1. Moins 2 plus 2, ça donne 0. 0 plus 0 qui donne 0. Les deux autres lignes restent inchangées. Divisons maintenant la deuxième ligne par 1/2 et la troisième ligne par moins 1/2. On aura ainsi. Donc on a un pivot à la première ligne, un pivot à la deuxième ligne, un pivot à la troisième ligne. On remarque que tous les pivots sont égaux à 1. Ces pivots sont les seuls éléments non nuls de leur colonne. Ce qu'on vient de déterminer, ce n'est que la forme échelonnée réduite de notre matrice. On vient de voir ensemble, à partir de cet exemple, comment obtenir la forme échelonnée réduite. Généralisons ceci. Donc, une matrice échelonnée est dite sous forme échelonnée réduite si elle vérifie les deux propriétés suivantes. 1. Le pivot, c'est-à-dire le premier élément non nul, de chaque ligne de la matrice vaut 1. 2. Ce pivot doit être le seul élément non nul de la colonne dont il se trouve. Prenons maintenant un deuxième exemple. Donc, dans ce cas-là, on a la matrice suivante. Je vous demande de déterminer la forme échelonnée réduite de cette matrice. Donc, voici la forme échelonnée réduite de notre matrice. On vient de voir à partir de cet exemple comment obtenir la matrice échelonnée réduite. Cela se fait en deux étapes. La première étape, qui est la phase de descente, où l'on fait apparaître des zéros au-dessous des pivots. Et la deuxième étape, qui consiste à faire apparaître des zéros au-dessus des pivots, ce qu'on appelle aussi phase de remontée. En résumé, nous avons vu aujourd'hui la définition d'une matrice échelonnée réduite. À partir de deux exemples, on a vu comment obtenir cette matrice. La forme échelonnée réduite d'une matrice sert à simplifier les calculs lors de la résolution des systèmes d'équations linéaires complexes.